Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'étais en vacances et donc j'ai pas fait les guidances pour le mois ce mois-ci, hein, le mois d'août. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai pensé à faire avec l'oracle des miroirs les blocages en cours, donc là ce qui se passe là au mois d'août, pour avoir des réponses pour le mois de septembre. Donc avec l'oracle de la tri oracle des miroirs, les blocages du mois en cours, l'oracle Béline, c'est pour avoir des réponses pour vos questions, les messages pour le mois de septembre, combinés avec l'oracle de la triade, les deux que je vais utiliser. Et puis si j'ai besoin d'autres, je ferai avec les 77 d'Aliaské, ouais, que je vais rajouter pour la question pour les relations amoureuses. Voilà, donc ça sera aussi avec les 77 d'Aliaské pour les relations amoureuses que j'aime bien sur le plan sentimental et relations sociales. Voilà, on y va, on commence. Coucou les béliers, bonjour, bienvenue les nouveaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, bien sûr. On passe, donc c'est pas fini pour certains aussi, hein. Je commence par l'oracle des miroirs pour voir la tendance du mois d'août, les problématiques. Qu'est-ce qui vous tracasse? Quels sont les blocages, les problématiques? Qu'est-ce qu'il faut éclaircir, hein, d'ici fin août pour bien démarrer le mois de septembre? Alors, on y va avec trois cartes pour les béliers. Qu'est-ce qui vous pose problème, les chers béliers? Le voyage. Qu'est-ce qui pose problème? Il y a un voyage qui vous tracasse, quelque chose que vous n'avez pas bien, qui s'est pas bien passé ou que vous n'avez pas encore réglé, trouvé la destination pour vos voyages, peut-être aussi un déplacement, un mouvement, à voir. Qu'est-ce qui vous pose problème? Alors, déjà, il y avait le truc de voyage. Alors, bélier, enfermement, la chance. Et projection. Ah. Pour certains béliers, il y a un problème là d'isolement, hein. D'isolement. Ouf. Ça parle aussi de. On n'arrive pas à se projeter, ou aussi on est dans une tendance de fatalité, de dire bah c'est la malchance pour le moment, hein, c'est la malchance, on attend la chance, on attend le coup de pouce, on s'isole parce que bon, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à bouger, à trouver un moyen de s'échapper de quelque chose, à trouver un moyen d'évoluer, de prendre une décision, je pense. Il y a un déni, un certain déni là pour certains béliers. Et on reste dans le fatalisme. Hein. Ouais, il y a des fois, c'est vrai qu'on n'a pas, on accepte aussi ce qui se passe. Hein, mais c'est pas une solution de s'isoler, de s'enfermer dans ses idées noires, dans ces idées aussi peut-être dures avec vous-même, dures avec les autres. Et je pense que là, il y a des choses à revoir. Ne pas rester enfermé dans ces idées, être dans l'inacceptation des autres, des pensées des autres, des nouveautés, peut-être là, on refuse de voir des choses en face, peut-être vous restez dans votre enfermement mental, enfermement aussi social, vous vous isolez peut-être pour certains, vous attendez le bon moment, vous êtes en attente de quelque chose, en attente d'un coup de pouce par rapport à vos objectifs, par rapport à un souhait. Je
Je pense que les choses se bloquent là, sont bloquées un peu, et que vous dites que ce n'est pas le moment d'agir. Et il y a une attente d'un miracle, j'ai l'impression pour certains, une attente d'une chance. Et on va voir quels sont les messages pour le mois de septembre pour les béliers. La chance n'est pas au rendez-vous pour le moment, pour certains bien sûr, mais elle va arriver quand même. Alors, pour le mois de septembre, quels sont les messages pour le mois de septembre pour les béliers? Il y a une carte, infortune, ah, il y a un manque, hein. Il y a un manque peut-être aussi, un manque d'argent, c'est pour ça, pour certains, problème de réaliser son voyage, de réaliser ses vacances, ouais, c'est peu, hein. Ouais. Pour le moment, vous contentez peut-être de ce que vous avez, de ce que vous ne pouvez pas faire, c'est normal. Oh! Septembre. Oh, la carte verte. La chance, elle arrive. Vous voyez, départ. Là, vous êtes sur un nouveau départ, mes chers béliers. Waouh, la grâce. Excellent. Bah, c'est bien d'attendre, mais c'est pas. Faut éviter aussi de s'isoler, hein, de s'enfermer. Peut-être pour certains, même pas envie de sortir, de voir du monde, d'être asocial. Mais. On vous dit qu'en septembre, ça sera un nouveau départ et ça va se débloquer. Hein. Là, il y a vraiment la carte chance, elle arrive. Et c'est pour ça, peut-être aussi, la chance, là, on vous dit, bah, c'est pas le moment. C'est pas le moment aussi. Hein. Ça sera pas le moment opportun. Attendez, attendez, et ça va arriver. Et effectivement, ça arrive. Il y a une belle ouverture, un nouveau démarrage. Nouveau départ pour vous et vous allez briller, j'ai l'impression là au mois de septembre, il y a vraiment là quelque chose de merveilleux qui va se passer pour vous les béliers, pour la rentrée scolaire, pour la rentrée au niveau quel que soit le domaine, mais il y a le succès, la réussite et la beauté aussi de tout ce que vous allez toucher, ce que vous allez faire, ça sera vraiment fait. Voilà. On passe avec l'oracle de la triade pour d'autres messages pour les béliers. Quels sont les messages pour les béliers? Ouais, peut-être c'est pour ça le mois d'août là, ce qui va, c'est les vacances aussi, c'est pas la période très fertile, hein. Ça bouge pas, ça bloque, mais là on vous dit que c'est septembre, la rentrée, qui va être toute une nouvelle démarche, d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Un nouvel élan de votre vie, un nouvel élan. Là, on vous donne la possibilité de vous envoler. Là, on voit, hein, c'est vraiment vous partez à l'aventure, vous partez sur un nouveau démarrage. Ah, bah, il y en a trois. Je les garde. Elles sont parties dans ma main. Alors, waouh! Éternité, porte, naissance. Elles voulaient sortir ces trois cartes, elles étaient dans ma main. Donc, on vous dit, la carte centrale, c'est. Voilà, une nouvelle vie, nouvelle opportunité, une nouvelle chance, naissance, départ. On parle d'un nouveau démarrage, mais qui va durer dans le temps. Quelque chose d'éternel, quelque chose de durable, de solide. Ce nouveau départ vous donne la chance, la possibilité de vous ancrer quelque part. Hein. Vous renaissez là. Pour certains, ça peut parler aussi d'un. Voilà, donc on passe
pour les béliers, on passe avec l'oracle de les 77 d'Alieske. Pour les questions amoureuses et sentimentales, vos relations sociales avec les autres. Quels sont les messages pour les béliers pour le mois de septembre? Trois cartes. Hop. On parle d'une femme. Non. Et le regard, le masque. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc non, par rapport à une femme qui cache son vrai visage, qui cache sa vraie personnalité, son vrai sa vraie... En fait, il y a du mensonge. Il y a du mensonge vis-à-vis de cette femme. Donc faites attention, si vous êtes sur une conquête, une nouvelle conquête avec cette femme-là, ou par rapport à une relation amicale aussi, d'une personne que vous connaissez à peine et qu'elle n'a pas dévoilé ou elle cache des choses, donc voilà. C'est un avertissement. Je vais tirer d'autres cartes quand même pour avoir d'autres. Vous voyez, ben ça tourne. Elle hésite. Soit c'est vous, soit c'est elle. Cette personne, elle hésite aussi. Elle tourne en rond parce qu'elle a peur aussi de dévoiler un secret ou de dévoiler sa vraie personnalité, sa vraie vie. Elle est dans l'hésitation. Peut-être il y a un abord à faire avec sagesse, trouver le moment opportun. Est-ce que aussi ça a un rapport avec un foyer? Des choses à éclaircir, hein, à chercher, à fouiner, à fouiller. Pour aussi mettre à l'aise cette personne qui hésite aussi peut-être à s'engager. Pourquoi pas? Bon. Non. Pourquoi? Est-ce que si vous êtes sur ce gars-là, non, par rapport à quoi? À quelle décision? À quelle approche? À vous de voir. Est-ce que c'est par rapport à elle qui dit et qui est dans le négatif, qui n'arrive pas à se projeter, ou c'est vous? Donc là, il y a des cachotteries ou des choses, des secrets à l'en révéler. On hésite. Pourquoi? Donc, prenez du recul. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec un ancien foyer ou une nouvelle maison ou un nouveau projet à deux? Voilà, éclaircissez les choses. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc, avec cette personne-là, ou c'est vous, si c'est pas une femme, c'est vous, ça parle de vous. Et voilà. C'est le message pour le septembre, mes chers béliers. C'est un peu mystère, mystique. Alors, on finit alors? On termine avec l'oracle œil de lotus pour votre conseil pour le mois de septembre. Clôturer ce... Ah ben voilà. Ennemi. Oh oh oh. Il y a l'ennemi là. Alors qu'est-ce qu'il a cet ennemi? On va voir. Love. Ah. Ennemi, love. Vous voyez là dans la relation sentimentale, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui rôde autour de votre vie amoureuse? Hein? Voilà. On vous parle de faire attention à ce serpent là. Qui cherche à faire du mal dans votre vie amoureuse ou dans votre vie sentimentale ou à faire ou dans votre passion, hein, quelle que soit la passion. Et voyez là, la protection elle sort, excellent. Je viens de sortir. Protégez-vous vis-à-vis de cet ennemi. Protégez votre relation, protégez votre foyer.
protéger votre patient. Donc voyez ce qui, de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Et c'est le message qui est venu, l'œil de lotus. Je vous dis merci et je vous merci pour votre fidélité. Je vous dis ciao, ciao.